Bonjour à toutes et tous, c'est Blarkane. Et oui, et on se retrouve aujourd'hui, mes amis. On se retrouve pour l'épisode 35 et de mon let's play sur le jeu La Terre du Milieu, c'est bien ça, L'Ombre du Mordor. Je vous avais laissé, mes amis, je vous avais laissé sur une epicness. Notre ami Ura le chaman, il était mort, et du coup on n'avait plus de capitaine. Donc bah j'ai farmé les capitaines, hein, si on peut dire ça, et j'en ai trouvé un. Ouh, il est pas piqué des hannetons, il est épique, il est beau, il est musculeux, il a une armure badass. Enfin bref, je vous présente. Ouh, et un craquage de sang. Il est épique. Et moi, je m'en fais un capitaine de la folie. Cette chasse. Et en plus, regardez ça, hache, elle est trop épique. Alors, voyons voir un petit peu le Takrak, qu'est-ce qu'il... Il est insensible aux attaques à distance et à la furtivité. Par contre, il a des dégâts par explosion. Attention. Bouillard. Ah là, déjà. Et le Grog, t'as pas intérêt. Voilà. Alors, on va tuer ses compagnons. Voilà. Yo. C'est notre jour de chance. Salut. Quand tu nous as menacés, H de sang a bien ri. Et c'est toujours le cas. Bon. Je tue la bébête. Comme ça, on sera que tous les deux et ça m'évitera que la bébête tue mon copain. Chasse à la bête, oui, je sais, tu as gagné, alors, c'est pas grave. C'est moi qui ai fait tout le boulot! C'est moi qui l'ai tué! Non, c'est moi qui l'ai tué! Voilà, maintenant il ne reste que toi et moi! Voilà, c'est comme ça que tu vas devenir mon pote! Allez, ta craque! Tu vas! Devenir chef de guerre. Bah, tu deviens chef de guerre. Les gardiens d'esclaves doivent faire travailler leur... Épreuve disponible. Rejoignez l'épreuve de Takrak pour défendre votre partisan. Ah, d'accord, c'est pour devenir... Ok, ok. Eh ben, on y va, on y va. On va aider Takraka. Takraka. Voilà. Il faut qu'il devienne chef de guerre, ce Takraka. Allez, on y va, on y va, on y va. Et j'aurai mes 5 zigotos. Bon, à part avec toujours le même gars du jeu principal, c'est un petit peu dommage. Mais bon, j'ai pas trouvé de deuxième euro que j'ai la flemme de les farmer. Donc bah ça restera comme ça. Allez, Takrakune. Alors, qu'est-ce que tu dois nous faire, le petit Takrakune? Oh bah ça, tu sais, tu peux te débrouiller tout seul. Ouvre la cage! Il faut que je me batte! Tout de suite! Allez, Takrak. On compte sur toi, Takrakune. Regarde la mort en face. Ça y est, t'as réussi. Il est trop badass, regardez. Promotion. Voilà. Bravo, Takrakune. Bravo. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, regardez-moi ça. Alors, voyons voir un petit peu la carte. Donc, je vous présente mon armée.
On a Zatra tête de tonnerre. On a Glandu, Grublik le flagellateur. Si je trouve un meilleur capitaine, tu mourras. On a Ratatatata, l'affamé. On a Amugle Rictus. Et enfin, Takrak, un hache de sang en mode ultra badass. Regardez-moi cette armure et cette hache avec un crâne, c'est trop bien, il est trop épique. Il est trop épique. Bon. Et ben voilà, je suis très très content de te voir dans mon armée maintenant. Ça me fait plaisir, et toi, ça te fait plaisir? Oui. Crac crac. Tu pourrais me parler quand je te parle, voyons. J'ai dit tu me parles. Tu as compris? Va te coucher. Voilà. Je vais pas le faire attaquer mes propres capitaines, ça servirait à rien. Bon, et ben maintenant qu'on a fait tout ça, il nous reste plus qu'une seule quête, c'est le sauvetage. Allons sauver Litariel, si je me souviens bien. Allez, on y va. Allons sauver Lily. En plus, il fait beau soleil. Donc on va voir des choses. Enfin, je sais plus parler, voilà. Ça y est, c'est fini. Ça fait 45 minutes que je tourne et que j'arrête pas de tuer des capitaines. Dans son désespoir, Litariel a commencé à infiltrer les forteresses rouges pour tenter de sauver sa mère, mais elle n'est pas revenue de sa dernière mission. Donc oui, je sais plus parler. Voilà, c'est tout. C'est pas grave. C'est pas grave. Dans ce jeu, il n'y a pas vraiment besoin de... Quel dommage. Si tu ne sais vraiment rien, tu ne m'aides aucune utilité. Quand vous en aurez fini avec elle, pendez-la. Bien haut. Veillez à ce que l'immortel puisse la trouver facilement. Tu vas nulle part, ma belle. Dis-nous où il se cache et ta mort sera rapide. Oh, Lily! On va te tuer, Lance. Exactement comme cher. Vite, il faut aller sauver Lily. Ce cri, c'était Litariel. Il faut vite la trouver. Du calme. L'émotion ne fera qu'alourdir tes pas. Vite, ils vont faire du mal à ma chérie. Apparemment, tous ces hommes sont morts. C'est pour ça qu'on doit l'aider. Elle n'a plus personne à ses côtés. Allez, vite! Vite, il faut nous sauver! Il faut sauver Lily! Je freine sur le drone, la tête me joue des trous. Eh bien, quoi que ce soit, ça ferait bien de garder ses distances! Vite! Ma Lily! Ma Lily! Vite, il me faut plus de capitaine. Il me faut plus de. Pas de capitaine, mais de soldats! J'ai besoin de soldats. Je sais pas ce que c'était. Allez où, Malili? Oh là, il y en a beaucoup trop, mes amis. C'est dangereux. Je vais grimper. Voilà. Tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic. Il ne me voit pas. Ya. Tu m'as pas vu? Super, il m'en faut plus que deux, pas plus qu'un seul. Lily, tiens le coup, ma Lily. Mince. Aïe. Allez hop, cassez-vous, bande de gourgandins. Je crois que rien sur cette terre ne peut vaincre notre chef de guerre.
Oh là là, mais ça sert à rien, il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup, beaucoup trop. Allez. Et voilà, ça fait 6. On va vite, il me reste pas beaucoup de temps, il me reste 5 minutes. Allez vite, faut trouver Lily. Faut trouver Lily. Elle est là-bas, regardez, regardez. Oh, c'est bon, bah. Peut-être que si on la fait saigner, elle se mettra à parler. Ah, j'aime les femmes combatives. Elle est trop badass. Vous voulez l'immortel ? Je suis là ! Et voilà ! Toi, t'es à moi ! Hop là ! Bon, bah ça m'en fait pas beaucoup là, dis donc. Viens, ma Lily. Viens, ma Lily. Ils m'ont obligé à regarder mes hommes mourir, l'un après l'autre. Je sais ce que vous ressentez. Il faut nous dépêcher. Les Uruks se rassemblent quand leur frère meurt. Ma tribu fera de même. Fuyons, vous préparerez votre vengeance après. Je ne cherche pas la vengeance. Je me bats car ce serait mal de ne pas le faire. Oh, je te kiffe, ma Lily. Je te kiffe, par contre, là, on va avoir des problèmes. Tanyo, je ne peux plus tirer mon épée. Allez! Serre ma volonté! Battez-vous! Tous sur lui! Allez, bien, bats-toi pour moi, Jean-Pierre. Voilà, toi aussi. Vous allez me faire. Battez-vous, bande de gourgandins. Tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic. Allez, viens, ma Lily. Je ne suis qu'un fardeau pour vous, Talion. Non, jamais je te laisserai tomber. C'est moi, votre fardeau. Et regarde, ces Uruks se battent courageuse. Pour nous. Je n'avais jamais rencontré de femme aussi combative. Je n'ai pas le choix. Face aux ténèbres, nous avons le devoir d'apporter la lumière. Allez, 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 allez. Regardez, ils arrivent encore. Ils arrivent encore. Bouge pas, ma sauterelle. Hop là. Voilà. Ma petite sauterelle en sucre. Battez-vous. C'est bon. Allez, allez, allez. Viens ici, ma petite... Viens, ma petite libellule. Je suis là pour te sauver. Allez. Mais les gars, vous êtes à 3 contre 1, donc ça devrait bien se passer. Ah bah non. Doucement, je suis là. Dépêchons. J'ai la jambe cassée, mais toujours mon courage. La tour de Soro m'a interrogé pour savoir où vous trouver. Oh, non, finis pas. Je ne les tuerai pas tous à l'épée. Oh mince. Toi, t'as tapé ma sauterelle. Tu vas... mourir. Yeah! Personne ne touchera Lily. C'est ma chérie. Vous allez tous mourir ici. Ah, bouillard.
Même mes copains, ils meurent. Ça va, Malili? C'est bon, Malili? C'est bon, Malili, allez là-bas. Bon, ça va. Ça va, Lily? Allez, viens, il reste plus que 100 mètres. Et tu es sorti du camp. Je devrais dire aux forgerons de faire de grandes piques que je pourrais mettre sur ma tête et mon dos, au cas où le rôdeur voudrait me sauter dessus. Allez, Lily. Tiens le coup, ma Lily. Voilà, plus que 15 pieds, c'est bon. Reposez-vous. Pourquoi faites-vous ça? Pour éviter que ça saigne. Non. Pourquoi êtes-vous revenu pour me sauver? J'avais une famille. Une femme. Et un fils. Je les ai enterrés avec tous ceux que je connaissais. Restez avec nous. Ma mère peut vous aider. Impossible. Je ne suis pas de ce monde. Vous serez le sauveur de mon peuple. Par ici! Vous pouvez marcher seul? C'est votre réponse. Dame Litaria, elle est là. Vous êtes blessé. Je vais vous aider. Vous devez quitter cet endroit sur le champ, c'est dangereux. Merci, rôdeur. Adieu, ma Lily. Adieu, ma Lily. J'ai encore une bataille à mener. Une vengeance. Et voyez, j'ai tout fini. Ouh, yeah, baby. Les Tariel et ses hommes ne survivront pas au Mordor. Ils doivent partir ou périr. La main noire va le payer. Objectif chef de guerre terminé, dominé. Il nous reste donc qu'une seule quête, mes amis. Nous allons vaincre la tour de Sauron. C'est par où la tour d'ailleurs? Oh bah c'est juste à côté. Allez, on y va. Tic 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 tic. Le seigneur du Mordor, commencez la mission. Vos forces attendent vos ordres, l'heure est venue de lancer l'assaut contre la main noire. C'est le moment, mes amis. On y va. Nous vous sommes reconnaissants pour ce que vous faites pour nous, capitaine. Oh. Je ne croyais pas que mes services pouvaient être si appréciés par la reine, à vrai dire. Ils arrivent. Des orques. Ceux-là font de piètres passagers. Mais j'ai connu pire. Attention à cette planche! Hé, on ne touche à rien! Reine Marwen, je suis ravi que vous alliez mieux. Les navires sont prêts. Les capitaines connaissent votre destination. Combien de temps ces orques vont vous obéir? Aussi longtemps que je le voudrais. Je vous suis redevable. Nous vous devons nos vies, Talion. Mettez un terme à cette folie. Mesdames. Sentez la bataille épique? Parce que moi, oui. Nakra? Nakra, c'est toi! T'es vivant, espèce d'enfoiré!
décoré. Il nous a massacrés. Est entré dans nos têtes. A brisé notre volonté. Il veut prendre le Mordor. Mais c'est fini. Fini. Oh, Nakra. Sentir les cris des Uruks et inonder la terre de leur sang. Mort en amont. Pour la terre du milieu. Et pour cet enfoiré de Nakra qui va mourir. Allez, baston. Nakra. Mais c'est le rôdeur qui pensait que j'étais mort. J'aurais adoré te faire couiner comme un corail. Oh, Nakra. Oh, je m'attendais absolument pas à te voir. Et alors, on va épurer un petit peu le sang. On va épurer un peu la bataille, je vois plus rien. Et on va se faire Nakra en mode solo. Yo. Ok. Il y en a encore un petit peu. Ouh, Nakra. Tic, tic, tic. Tu m'en veux pas, je tue tes potes, j'ai envie de me faire un duel à un contre un. Tu crains le feu, toi? Non, tu crains... Oh, oh là, oh là. T'as plus beaucoup de partisans, mon Billy. Alors vous me laissez Nakra, c'est entre lui et moi. Meurs, Nakra. Décède. Ah non, c'était pas le bon. Et aussi nos esprits, hein. Meurs, Nakra, et ne reviens plus jamais. Règne de la terreur est fini. Voilà notre objectif final. La forteresse de la main noire. Bon, les potes, vous êtes très très bien battus. Je vous félicite. Excuse-moi d'ailleurs, Takrash. J'étais un peu frappé dans le feu de l'action. C'était pas du tout ce que je voulais. Bon, eh ben, on y va. On va se battre contre la main noire. Est-ce que ça va être la fin du let's play? Mais bien sûr que non. Le silence nous défie. Quel sortilège est à l'œuvre ici? Il y avait des cadavres qui bougeaient. Vous l'avez vu? Ah bah il bouge, regardez. Je ne m'attendais pas à ta visite. J'espère que mes soldats t'ont réservé un accueil des plus chaleureux. Où es-tu? Montre-toi! C'est l'œuvre de la tour. La main noire est à ta recherche. Mais ce sera pour moi un réel plaisir de t'éliminer moi-même. Prosterne-toi. Et je te livrerai au Seigneur des Ténèbres, indemne. On ne se prosterne devant personne. Ouais. Le Seigneur des Ténèbres te pardonne, Celebrimbor. Reviens à lui. Et débarrasse-toi de cette enveloppe humaine. Allez, debout,
Allez, debout. C'est inutile. Pas toi. Celebrimbor est ta malédiction. Il t'a choisi. Silence! Il peut te libérer quand bon lui semble. Quoi? Oui, c'est tout ce que tu es, Rodeur. Un outil au service du Créateur de l'Anneau. Viens et bats-toi. Comme tu voudras. C'est pour ma femme et mon fils. Bah il est où? Quelle joie d'affronter quelqu'un de son fils. Tellement meurtrier. Ok, donc c'est un jeu de cache-cache a priori. C'est un jeu de cache-cache. Et on a 7 minutes pour le trouver. Et pour le tuer. Très bien. Là-bas. Pourquoi te bats-tu encore? Oh, c'est pas trop difficile, ça va. Tic 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 tic. Bah t'es tout pourri comme boss. T'es tout pourri. Lurette. Je connais cette voix. Ma femme. Ça se trouve c'est une illusion. Lurette. Mais je te croyais morte. Lurette, c'est toi. Oh, mais non, c'est pas toi. Notre famille, aucun de vous. Mince, attends, c'est lequel bouton? C'est... Ah, je me suis trompé de bouton. Excuse-moi. C'est pas gentil. Je me suis trompé de bouton. Voilà. C'était celui-là. Bon, c'est pas grave, ça arrive même au meilleur. On s'est fait becter. Attention, c'est pas Lurette. Luri, si seulement c'était toi. Vous ne reverrez jamais votre famille, aucun de vous. Si! Je suis plus fort que toi. Pour ma femme, pour mon fils et pour moi. Meurs, espèce d'enfoiré. Ah bah qu'est-ce que ça fait du bien? Tu disais que nous étions maudits. Tu m'as trahi. C'était l'œuvre de Sauron. Non, c'était ton œuvre! J'aurais dû mourir avec ma famille. Je croyais que tu voulais te venger. Je peux te laisser. Mais il n'existe qu'un seul moyen de fermer le cercle. La main noire est en vie. Pas pour longtemps. Je m'en vais de ce pas le tuer. Temps de chargement. On va finir la partie principale maintenant.
J'avais pas prévu ça. Bah bon, bah pourquoi pas. Allez hop, pendant qu'on y est, faisons-nous plaisir. Ah bah non. Le seigneur du Mordor, Victoli. Nourn est en flamme. Il faut rejoindre la reine Marwen. La main noire est passée par là. Je le sens. L'Itariel. Le Mordor en flamme disponible. Eh ben nous allons nous arrêter là, mes amis. Vous aurez le dernier épisode samedi, qui terminera la boucle de la Terre du Milieu, l'ombre du Mordor. Donc j'espère que cet épisode vous a plu, il était vachement épique. J'en reviens pas d'avoir revu Nakra. Je m'y attendais pas du tout. Mais alors pas du tout du tout. C'était trop épique. Donc voilà, donc n'hésitez pas à mettre un pouce vert, un commentaire ou de partager la vidéo hein, si celle-ci vous a plu. Qu'est-ce qui se passe? Nous on est en feu. Il y a de la nuée, il y a de la buée partout. L'arcade c'est pas de la buée. C'est du brouillard. Eh ben il y a du brouillard partout. Oh, je suis excité, je pense que je vais tourner dans le prochain épisode. Donc en attendant, portez-vous bien. Ah ciao tout le monde. Et merci de m'avoir regardé. Bye bye.